Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes encore au cœur d'une crise sanitaire d'un genre nouveau qui nous affecte tous, qui vous affecte tous. Vous avez été affectés personnellement, professionnellement, socialement, sanitairement. Certains d'entre vous ont peut-être perdu des proches, en tout cas avaient eu des proches malades. En ce qui me concerne, moi, député des Français de l'étranger, elle m'a conduit à me réinventer. Je suis un peu comme un député sans elle, je ne peux plus venir à votre rencontre. On a organisé des vidéoconférences avec certains d'entre vous à New York, à Montréal, à San Francisco ou à Houston, et nous allons continuer à le faire. J'ai eu l'occasion d'interroger le gouvernement sur notamment les conditions de la quatorzaine. Certains de nos compatriotes doivent rentrer en France pour des raisons impérieuses, notamment malheureusement pour assister à des obsèques. Et donc j'aimerais, Monsieur le Ministre, que vous donniez plus de détails sur cette mesure. Vous m'avez posé également, M. Lescure, une question sur la quatorzaine et notamment qui renvoie, hein, si vous me le permettez, Monsieur le Président, à la question des frontières en réalité, hein, puisque vous avez cité, je crois, le Canada de mémoire. Bon. Nous sommes restés en contact avec vous également en vous envoyant une quinzaine d'infolettes pour répondre aux questions très précises que vous avez posées. Nous avons répondu à près de 1500 emails que vous nous avez adressés et n'hésitez pas surtout à continuer à le faire. Les vacances approchent, j'espère qu'elles vont vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, de passer du bon temps avec vos proches, que ce soit en Amérique du Nord pour la plupart d'entre vous, ou peut-être en France si vous êtes rentrés. Elles vont vous permettre aussi de préparer la rentrée qui va être difficile. Elle va être pleine de défis pour les jeunes et les moins jeunes, les étudiants, les professionnels, leurs conjoints et leurs conjointes. En ce qui me concerne, je vais passer les 2 ans qui viennent à continuer à travailler à la fois au service de la France pour contribuer à sa relance économique, sociale, environnementale, mais aussi à travailler à votre service pour vous aider à passer cette mauvaise passe et que nous puissions tous en sortir plus fort. Un dernier mot, protégez-vous. N'oubliez pas les gestes barrières, portez des masques, lavez-vous les mains, gardez des distances de sécurité suffisantes. Vous savez que la discipline individuelle, c'est aussi le gage de notre succès collectif. Prenez soin de vous et à très bientôt.